Le dernier délai de versement des cotisations fixées selon les catégories en vue de la tenue prochaine du 5e congrès ordinaire du PCT a expiré ce 30 juin 2019 en ce qui concerne la Fédération de Pointe-Noire. Après une dernière collecte organisée à l'intention des retardataires, le secrétaire général chargé de la mobilisation et des ressources humaines, Théophile Ilobakima, a publié les résultats de l'opération. Arrondissement numéro 1, 3 614 000. Arrondissement numéro 2, 1 615 000. Arrondissement numéro 3, 1 659 500. Arrondissement numéro 4, 2 440 000. Arrondissement numéro 5, 1 237 000. Arrondissement numéro 6, 702 000. District de Tchambalzassi, 351 000. Organisation des femmes du Congo, OFC, 725 000. Force montante congolaise, 457 500. Ainsi, nous avons collecté à ce jour la somme de 12 801 000 francs CFA. Dans son mot de clôture, le président fédéral du PCT Pointe-Noire, Victor Fuji, a félicité l'ensemble des membres et sympathisants du parti pour le bon déroulement de cette opération collecte des fonds. À l'issue de ces cotisations, souffle organisationnel du 5e congrès du PCT, la Fédération de Pointe-Noire s'emploie à organiser prochainement un séminaire de formation politique à l'intention de ses organes de base et intermédiaires en vue de renforcer les capacités des militants à l'orée du cinquantenaire du parti.